your names? Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. Let's go to work. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I'm so scared in case I fall off the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive. It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place. You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional. And your family off a calling. Slap you on the back and say, choice between doing 10 years, taking out some stupid motherfucker. Ain't no choice at all. Bam. Bam. Bam, 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 bam. You're under arrest, sugar. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe, want me to shoot this guy? Come on, let's get in character. Why are you so interested in Big Man's wife? Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of him? No, man. Show her a good time, make sure she don't get lonely. You see, this is a moral test of oneself. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. I love you so much, can't count. Whether or not you can maintain loyalty. Night of the fight, you may feel a slight sting. Pride only hurts, it never helps. In the fifth, your ass goes down. I have to say, play with matches, you get burned. We should have shotguns for this kind of deal. We're in a lot of danger, aren't we? I'm prepared to scour the earth for that motherfucker. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Get down! You got a corpse in a car, minus a head in a garage. Take me to it. Don't you hate that? Hate what? Uncomfortable silences. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Bing Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, and Bruce Willis. You looking at something, friend? You ain't my friend, Palooka. Die, you motherfucker! A new film from Quentin Tarantino, the director of Reservoir Dogs. Devant la recrudescence des fameuses blagues et autres poissons qui ont si souvent cours le 1er avril, nous préférons vous mettre en garde et vous invitons à vous méfier de tout ce qu'on pourra vous raconter ce jour-là. Tiens, regarde-moi ça. Salut, je suis Sydney. Moi, c'est Brittany. Et moi, c'est Amy Jo. AK-47. Quand on a absolument besoin d'un coup de torchon, quand il faut vraiment que ça dégomme, faut surtout se méfier des imitations. Rien ne saura nous séparer, moi et mon AK. Si vous aviez l'occasion de foutre le camp avec un demi-million de dollars, vous le feriez? Oui. Qui c'est ça? C'était Beaumont. C'était qui, Beaumont? Un employé dont j'ai dû me séparer. Il y a 4 jours. Pourquoi? Braquage de banque. Tu m'apprécies, hein? Vous n'avez jamais été tenté? Elle est vraiment trop cool. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle.
Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche ? Œil pour œil, il faut que je te tue alors. Ça en mettra les pendules à l'heure. Alors j'ai décidé de tuer. Salut, maman, c'est moi. Bonsoir, ma fille. Ça a été l'école ? Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Allez, simple. Cette femme mérite de se venger. Et nous méritons de mourir. Alors il paraît que ça a été dur. L'idiote à la peau blanche aime jouer du sabre de samouraï. Oui. Oh. Il y a d'autres sbires à liquider. Salut. Vous ne croyez tout de même pas que ce sera si facile. Pendant une seconde. Si, je dois dire que j'y ai cru. Tu es trop bête. Le plus dur est fait. L'incident qui s'est produit dans la petite chapelle de Two Pines et qui est à l'origine de cette sanglante histoire est entré depuis dans la légende. Cette femme mérite de se venger et nous méritons de mourir. J'en ai tué pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, je vais tuer Bill. Avant que cette histoire de vengeance sanglante n'atteigne son paroxysme, il y a une foule de questions qui me hantent encore. C'est pas Emma, il ne te tue pas. Il te rendra plus forte. Bill vous a tiré dans la tête. Ça entraîne des conséquences de briser le cœur d'un tueur. Trop cool, hein? Elle vient pour te tuer. Tu veux dire qu'elle s'est débarrassée de 88 gardes du corps? Non, pas 88 en réalité. C'est eux qui se faisaient appeler les 88 cinglés. Pourquoi? Je sais pas. Ils devaient trouver ça cool. Bonjour, maman. Ah, d'accord. Tout à coup, tout est plus clair. J'étais simplement une tueuse à gages qui tuait pour toi. J'ai eu à choisir. Je l'ai choisie, elle. Que tu la fasses souffrir jusqu'à son dernier souffle. Je crois qu'il faut en finir maintenant. Oui, ma belle, je crois aussi. Pardon, je me suis emporté. Tu t'es emporté ? Il a du charme. Tu connaîtrais quelqu'un de confiance qui pourrait me raccompagner chez moi ? Princesse, votre carrosse vous attend. Il a du style. Tu as peur de moi ? C'est ma cicatrice. C'est ta voiture. Et il a une bagnole. Mortelle. Alors, Pam, c'est par où chez toi ? À gauche ou à droite ? À droite. Ah, c'est dommage. Est-ce que t'as choisi d'aller à droite ?
vais être obligé de commencer à avoir la trouille. Maintenant. Par Quentin Tarantino, le réalisateur de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, maintenant Boulevard de la Mort. Cette caisse protège de la mort à 100%, seulement pour bénéficier de cet énorme avantage, tu dois nécessairement être à la place du conducteur. Sa méthode, la violence. Non, je vais rattraper mes autres beaux châssis. Son arme, la vitesse. Béga! Attention, ces prochaines proies vont bientôt riposter. Allons le massacrer. Bien, chérie, je vais me faire, ton petit cul. Un film de Quentin Tarantino. Ladies, merci pour les frissons. Boulevard de la mort. Bientôt dans les salles. Garde à vous! À vos rangs fixes! Bien, je me présente, lieutenant Aldo Rain. Et j'ai besoin de 8 soldats. On va se pointer en France en tenue civile. On n'aura qu'un objectif à atteindre et un seul. Tuer du nazi. À vos ordres, lieutenant! Les membres du Parti National Socialiste ont conquis l'Europe par le meurtre, la torture, les menaces et la terreur. Nous allons leur rendre la monnaie de leurs pièces. Nous allons massacrer les soldats allemands. C'est par notre cruauté qu'ils vont nous connaître. Ils auront les preuves de notre cruauté quand ils trouveront des corps mutilés, démembrés, éventrés de leurs frères après notre passage. Les Allemands ne pourront pas s'empêcher de penser à la barbarie, aux atrocités que nous leur infligerons. Ils vont goûter à nos poings, aux talons de nos bottes et au fil de nos larmes. Les Allemands auront la nausée. Les Allemands vont nous entendre arriver. Les Allemands seront terrorisés. Les nazis n'ont aucune humanité. Il faut le détruire. Chaque soldat de mon commando devra me rapporter 100 scalps. Et j'entends avoir mes scalps. Nein, 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 nein. Est-ce que c'est clair? Oui, lieutenant! Wow. Bonsoir, quoique frisqué, messieurs. Docteur King Schultz. Vous êtes quel genre de docteur? Dentiste. J'ai cru comprendre que vous aviez dans votre stock un spécimen que j'ai à cœur d'acquérir. Comment t'appelles-tu? Django. Alors tu es exactement l'homme que je veux. Hé, hey, il n'est pas à vendre. Oh, fort bien. Pitié! Non! Si j'étais à ta place, j'irais prendre ce chaud manteau. Vous tuez des gens, et on vous récompense? Plus ils sont pourris, plus la récompense est grande. Je cherche les frères Brittle. Je saurais les reconnaître. Ils ont vendu ma femme. À qui, je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'emmène sauver ta femme. On va où alors? Joli carton. Venez voir, on a droit à un combat qui est pas piqué des verres. Coco, donne-moi une friandise. Alors t'es libre, c'est vrai? Ouais. Tu veux dire que t'as choisi de t'habiller comme ça? Quel genre de dentiste vous êtes? Touche tes flingues et tu meurs. J'aime ta façon de crever, mon gars. Messieurs, vous avez commencé par éveiller ma curiosité. Mais là, vous captez mon attention. C'est quoi ton nom? Django. Avec un D. «
Est-ce qu'il vous reste une petite place ? On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort ou vif écrit sur l'affiche, nous autres, on te tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Rousse, le bourreau, tu te balances au bout d'une corde. Attrapez-le, les gars ! Elle, c'est Daisy Domergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. Y aurait-il quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça ? Ma foi, on dirait que la mercerie de Minnie va être fort conviviale ces prochains jours. C'est ce que je me dis aussi. Il y a un de ces bonhommes qui est pas celui qui prétend être. Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle. Sans préavis, ni question. Une balle. J'aime mieux ça, ouais. C'est Rick Dalton. Enchanté, Monsieur Schwartz. Appelez-moi Marvin. Et on se serre la main. C'est votre fils, là ? Non, c'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Hier soir, on s'est fait deux films de Rick Dalton. Ça canard d'échec. C'est vraiment mon truc, ça, toutes ces tueries. Des tueries, il y en a. Qui a commandé des saucisses de Francfort bien grillées ? Cramez, sale enfoiré de nazi ! T'es acteur ? Non, je suis cascadeur. Alors t'es toujours avec Rick, hein ? Toujours là. Tu peux lui faire absolument tout ce que tu veux. Je t'ai pris comme acteur et pas comme cow-boy de feuilleton. Tu vaux quand même mieux que ça. Texte. Coupé ! Ce courrier de ridicule comme ça devant tout le monde ! Putain ! Bon, qu'est-ce qui va pas, mec ? C'est officiel, mon vieux. Je suis un spin. Je suis à la ramasse. Et devine, devine qui j'ai comme voisin ? C'est moi, Sharon Tate. Je suis dans le film. Dans celui-là ? Là, c'est moi, je joue Miss Carlson, la cruche. Charlie va être dingue de toi. Dans cette ville, tout peut changer d'un seul coup. T'es une bête, Rick Dalton. Oublie jamais ça.